Voilà, nous saluons tous nos frères et sœurs qui nous écoutent donc, au travers de la belle planète Terre hein, qui est sur ses derniers soubresauts. Amen. Et particulièrement, nous allons essayer de répondre aujourd'hui à une question Te sens-tu seul Te sens-tu seul Si vous voulez bien, on va lire dans l'évangile de Jean, chapitre 15. L'évangile de Jean, chapitre 15, nous lirons un seul verset Jean, chapitre 15. Jean chapitre 15 et le verset 7. Jean chapitre 15, verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Seigneur, nous voulons te bénir et nous voulons te prier particulièrement. Pour ceux et celles qui ont un sentiment de solitude dans leur cœur et qui vivent parfois des moments difficiles en train de pleurer, nous te demandons particulièrement, Seigneur, de nous aider à comprendre ce que le Saint-Esprit veut nous dire. Nous te prions de sauver ceux qui vont écouter ce message, de leur accorder ta grâce, une grâce toute suffisante. Dans le nom puissant de Jésus, nous le demandons. Amen. Et tout le peuple dit... Amen, gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Te sens-tu seul Certains vont dire non. D'autres vont dire oui. Que l'on soit un chrétien ou que l'on soit un païen, la solitude, on peut se sentir seul même au milieu d'une foule. Pourtant, on n'est pas seul. Il y a des gens autour de nous dans la foule. Et pourtant... Ce sentiment de solitude peut être là dans votre cœur. On peut se sentir tellement, tellement seul. Et à la maison, à la maison, cette solitude est parfois avec toi, même je dirais, si euh, la famille est là, on peut se sentir même là seul. Pourquoi ce sentiment Pourquoi ce sentiment de solitude à ce moment-là, vous avez une solitude que seul et uniquement Dieu peut combler. Il n'y a que Dieu, il n'y a, a, a personne d'autre qui peut combler ce sens de solitude. Beaucoup aujourd'hui sont d'accord pour dire que cette blessure, si je peux appeler ça comme cela, cette blessure humaine, est très fréquente aujourd'hui. Beaucoup de personnes se sentent seules. Beaucoup de gens se sont aujourd'hui dissociés les uns des autres, se sont écartés les uns des autres et parfois ont monté des barrières les uns entre les autres. Peut-être que vous, actuellement, qui m'écoutez, que vous soyez ici, que vous soyez quelque part dans le monde, que vous nous regardez par la télévision, vous vous sentez seul, vous, vous sentez seul, vous souffrez d'une souffrance invisible, mais bien réelle, la solitude. Et c'est l'une des raisons principales d'alcoolisme et de drogue. L'alcool, les drogues sont des efforts pour essayer d'échapper à la solitude. Ce que nous avons besoin, c'est d'être réconciliés avec Dieu. À la croix, nous avons différents mots que nous avons marqués c'est la miséricorde à la croix aussi, c'est la réconciliation réconcilier ça veut dire que deux amis qui étaient aux opposés aux antipodes maintenant sont revenus ensemble et s'aiment. Nous avons besoin d'être réconciliés avec Dieu. Les gens aujourd'hui sont séparés de Dieu pourquoi Parce qu'ils sont séparés à cause du péché. Le péché est une muraille qui est montée contre Dieu. Et donc, la Bible enseigne que nous sommes des pécheurs, même depuis le sein de notre mère. Ça fait longtemps. David va déclarer dans le psaume 51, Seigneur, je suis né dans l'iniquité. C'est-à-dire, je suis né avec une nature pécheresse. Ma mère m'a conçu dans le péché. Elle n'a pas commis un péché en étant enceinte de moi, mais elle était pécheresse de nature et elle m'a légué en même temps une nature pécheresse. Nous sommes des pécheurs. Nous sommes tous des pécheurs. Ont péché. Nous avons brisé les dix commandements de Dieu et nous sommes nés avec cette tendance de continuer à briser les commandements de Dieu, à transgresser la parole du Seigneur. Qu'est-ce qui arrive quand il y a des choses semblables qui se passent Eh bien, les résultats ne sont pas très beaux. La Bible dit que ces gens-là, au psaume 107, erraient dans le désert, marchaient dans la solitude. Le sang de solitude. Et il est dit que ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes. Le péché amène la misère. Et les chaînes. Pourquoi le péché est en train de grandir autour de nous Pourquoi entendons-nous parler de choses inimaginables qui teintent à nos oreilles C'est parce que le péché est en train de monter et de grandir. C'est la cause. Ce n'est pas le climat. C'est le péché. C'est le péché. Et la Bible dit au psaume 107, verset 11 Parce qu'il s'était révolté contre les paroles de Dieu. Révolte contre les paroles du Seigneur, parce qu'ils avaient eu du mépris vis-à-vis -vis du conseil du Très-Haut. Alors, résultat, eh bien, ils avaient pour demeure les ténèbres, l'ombre de la mort, la solitude. Ils vivaient dans la solitude, ils marchaient dans la solitude. La croix est la réponse, l'unique, la vraie, à la solitude. Que nous avons vis-à-vis -vis de Dieu. Jésus est mort pour nos péchés. Jésus a versé son sang sur la croix du calvaire. C'est ce sang qui devait couler de ses veines pour nous laver, pour nous offrir une vie tout à fait neuve et nouvelle, une vie d'amitié avec lui. Il nous entoure maintenant de ses bras et il nous dit avec tendresse, je t'aime, je t'aime, alléluia. Chers amis, nous allons voir toutes sortes de solitudes au travers de ce message. Il y a la solitude de la société. Une solitude sociétale. Par exemple, Zaché, à Jéricho, était un homme seul à cause de son avarice et de sa cupidité. Et il est monté tout seul dans cet arbre pour voir Jésus le jour où il passait. Zachée avait très peu d'amis, mais il avait beaucoup d'ennemis. C'était lui qui ramassait les impôts, mais il en mettait un peu plus. Dans Isaïe chapitre 5, on nous parle aussi de ceux qui ajoutent maison à maison, malheur à ceux qui ajoutent maison à maison et qui joignent champs. Achant jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace et qu'ils habitent tout seuls au milieu du pays. C'est-à-dire, je veux être le premier et tout seul. Donc, maison ici, maison là, ils ajoutent, ils ajoutent, ils vont même à la mairie, ils vont graisser la patte à la d'un juge, quoi que ce soit. Mais ils vivent seuls au milieu. De leurs multiples maisons et de leurs multiples terrains. La solitude. Un jour, un homme sur la rue qui n'avait pas de maison a dit Je suis tellement seul. Tellement seul. C'est David, un jour, qui, lui, au travers de ses épreuves et de ses difficultés, a déclaré Il dit Je ressemble au pélican du désert je suis comme le chahuan des ruines, je n'ai plus de sommeil et je suis comme l'oiseau solitaire sur un toit. Il s'était baladé au travers des, euh, euh, de, de son palais royal et là, au-dessus de Jérusalem, il a vu un petit oiseau qui était là, qui s'est posé pas très loin et il s'est dit « Seigneur, « Je suis exactement comme ce petit oiseau, solitaire, santé seul, très seul. » La solitude dans la société. Jésus a parlé un jour à un homme qui était paralysé et qui n'avait absolument aucune aide, quoi que ce soit. Et cet homme lui a dit, « Monsieur, je n'ai personne pour m'aider. Je n'ai personne pour m'aider. » ou me faire descendre dans la piscine quand c'est le temps. Je n'ai personne. Il n'y a personne qui m'aide. Pendant 38 années, c'est long 38 années, pendant 38 longues années, il était seul. Et Jésus, cette journée-là, est devenu son ami. Il l'a guéri. Alléluia. Jésus peut aussi devenir votre ami. Personnel, principal, intime. La Bible dit qu'il existe un tel ami qui est plus proche qu'un frère. Et nous chantons bien souvent dans l'Église quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Un ami ah oui. Chers amis, Jésus n'est pas notre juge il n'est pas venu pour nous condamner il est venu pour nous sauver. Il est venu pour nous réconcilier avec le ciel. Jésus peut être chez lui dans votre cœur. Donnez-lui beaucoup d'espace. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai, cadeau, vous donnerai du repos. Je me tiens à la porte de ton cœur, de ta vie, et je frappe. Si tu entends ma voix, si tu entends les coups que je que je frappe sur ta porte, j'entrerai chez toi. Je mangerai avec toi, je souperai avec toi, et il y a une joie de manger à table, de parler, de discuter, lorsqu'on est invité ou que l'on invite quelqu'un à manger chez nous. C'est la même chose avec Jésus. Un autre genre de solitude, c'est la solitude même dans l'intimité du mariage. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, a dit le Seigneur. Alors je lui ferai une aide et il a parlé du mariage. Mais malgré cela, on peut être seul dans l'intimité du mariage. Comment ça se passe entre vous, les maris et les épouses Parfois, on se sent tellement seul. Pourquoi cela C'est parce que nous avons soif de Dieu, de Dieu. Et il se peut qu'on ne le reconnaisse pas, cela, ce sentiment de solitude, comme étant une soif pour Dieu. Mais c'est vraiment ce que c'est. Parce qu'il n'y a que Dieu qui peut satisfaire totalement votre vie. On peut être marié et euh, durant la semaine, je dirais après le mariage, vous êtes là dans le lit avec votre épouse et vous vous sentez seul. C'est une solitude pour Dieu. C'est parce que cette âme ne peut être satisfaite qu'avec Dieu. La Bible dit que nos esprits, nos corps, nos âmes, nos pensées sont faits à l'image de Dieu. Ça veut dire que tous ces éléments-là, esprit, corps, âme, ont soif de Dieu, ont on faim pour une amitié avec Dieu. Comme une biche, soupire après les eaux. Mon âme soupire après toi, Seigneur. Mon âme a soif de toi. Psaume 63, verset 2. La Samaritaine, elle avait eu plusieurs maris. Elle roulait d'un lit à un autre. Elle avait essayé à oh, celui-ci, à oh, celui-là, et ainsi de suite. Et complètement insatisfaite. Et maintenant, elle avait un bonhomme dans sa maison. Hein, Qu'elle n'était pas son mari. Et Même avec ça, tous ces essais, toutes ces expériences-là, elle se sentait seule. Et c'est le jour, fameux jour, où elle est venue au puits, à Samarie. Un jeune homme était assis là, sur le bord de la margelle, du puits. Il lui a parlé. Il lui a parlé comme personne d'autre ne lui avait parlé. Il lui a dit, de l'eau que tu bois ici, tu vas encore avoir soif, tu vas revenir. Mais moi, moi, j'ai une certaine eau avec laquelle tu n'auras plus jamais soif. Si tu connaissais celui qui te parle, si tu connaissais celui qui t'adresse la parole. Solitude même dans l'intimité du mariage. Solitude dans la souffrance. Dans la souffrance. Quand nous souffrons, notre monde finit où Notre monde finit au pied de notre lit. C'est là où ça se termine. J'ai eu des amis qui ont souffert à l'hôpital. Et tout ce que j'ai voulu faire, c'est aller vers eux, les visiter, leur parler, les entourer de mes bras, prier pour eux. Cette vie sur la terre est une vallée, pas une montagne, une vallée de larmes, de pleurs. David a dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal parce que tu es avec moi, tu es là. Je ne me sens pas vraiment seul parce que tu es là, Seigneur. Paul a dit, j'estime que les souffrances du temps actuel n'ont aucune comparaison avec la gloire qui s'en vient pour les chrétiens. L'amour. Si nous l'avons, le véritable va supporter tout. L'amour supporte tout. T -O -U -T. T-O-U-T. Tout. C'est ce que la Bible dit. Nous souffrons sur la terre. J'ai remarqué au travers de mes cinquante années de ministère. Que chaque fois où je prêche un message sur la souffrance, tout le monde écoute. Pourquoi Parce que tout le monde, d'une manière ou d'une autre, souffre, a souffert, souffre ou va souffrir. C'est la vallée des larmes de la terre. Jésus nous donne de l'espoir que la souffrance un jour va arriver à sa fin. À la fin de la souffrance, il y aura la gloire qui nous attend. Et c'est là où nous devons, je dirais, mettre notre objectif. La fin. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Dieu essuiera toutes les larmes de nos yeux. Ça veut dire qu'il y en aura des larmes qui auront coulé. S'il va les essuyer, il essuiera toute larmes de nos yeux. Et j'attends ce jour-là, quand nous serons dans la présence même de Jésus, quand nous pourrons le toucher quasiment, l'entourer, je dirais, et pour toujours. Alléluia. Jésus a dit Je ne vous laisserai pas orphelin. Je m'en vais, mais vous ne serez pas des orphelins. Un orphelin, il lui manque son père ou il lui manque sa mère, ou il lui manque les deux. Je ne vous laisserai pas orphelin. Ça veut dire que le chrétien, en réalité, le véritable, né de nouveau, pardonné, libéré, eh bien, n'est jamais orphelin. Il a ce sentiment de la présence. Il est entouré par la... Il est enveloppé, il est cerné, protégé par une présence impalpable, mais qui est bien réelle. Et tous ceux qui sont dans la Bible ont voulu aller jouer dans le monde, après avoir connu le Seigneur, ont senti quelque chose qui se passait. La présence a disparu. Samson l'a reconnu n'avait plus de force. Il pensait que Dieu était encore avec lui, n'était plus là. David, lorsqu'il a commencé à jouer avec les femmes, avec l'adultère, ainsi de suite, whoop, il dit, quand Seigneur, je me suis éloigné de toi, ma force était devenue flétrie, comme la sécheresse pendant l'été. J'avais plus de force. Le péché va enlever votre force physique, morale, spirituelle, votre énergie. Un homme sage, nous dit le livre des Proverbes, est plein d'énergie. Ensuite, il y a la solitude qui est due au retour du cimetière. Ça, c'est affligeant. La personne retourne à la maison et la personne au bout de la table n'est plus là. Il faut apprendre à dormir seul dans sa chambre. La tristesse d'un décès... Un, un décès n'est jamais joyeux. Parce qu'on n'est pas fait pour ça. Lorsqu'on se marie et que euh, le pasteur dit, euh, répétez après moi, jusqu'à ce que la mort vous, vous sépare. Non, pas de problème, c'est loin. Jusqu'à ce que la mort nous sépare, on ne parlera pas de la mort aujourd'hui, c'est le jour de notre mariage. Mais, ça nous rattrape. Et ça arrive assez vite. Il peut y avoir un accident. Vous êtes sain et sauf. L'autre vient de décéder. Solitude due à une tristesse de décès. Et plus je vieillis, c'est drôle, mais plus je vais à des funérailles. Et de temps en temps, quand je lis le journal, le peu de temps que je peux avoir, je, je, je regarde la dernière page, avis de décès. Ce n'est pas avis de déchet, mais c'est avis de décès. Et je vois des photos, tout ça, et je regarde leur date. Ah ouais, elle était plus jeune que moi. Elle était, elle, ah ouais, la dame, elle avait l'air bien, mais ah, elle est morte. Et ainsi de suite. La mort. La mort s'en vient, voyez. Et là, évidemment, donc, euh, on a des amis qui meurent. Plus vous vieillissez, plus hein, vous remarquez que plusieurs de vos amis sont en train de mourir, ou meurent. Jésus a pleuré. Lui-même, aux funérailles d'un ami, Lazare. Mais c'est là que Jésus a dit Je suis la résurrection et la vie. Si quelqu'un croit en moi, il ne mourra jamais. Alléluia. Gloire au Seigneur. Évidemment, il donne de l'espoir. De l'espoir à ceux qui souffrent dans la tristesse. Et c'est justement euh, l'apôtre Paul qui parle aux Thessaloniciens en disant nous ne devons pas nous attrister comme les autres vis-à-vis -vis de la mort qui n'ont pas d'espérance. Nous, nous avons une espérance. Après le tombeau, après que le voile de cette vie sera déchiré, nous entrerons dans la lumière éternelle, dans le port céleste. Alléluia. Voile tout ouverte au vent du Saint-Esprit. Merci Seigneur. Ensuite, il y a la solitude dû, hélas, à notre péché. Nous sommes pleinement responsables. Et nous le savons. La racine, je dirais, la plus profonde de la solitude, c'est le sens d'être isolé de Dieu. Ça, je, je veux jamais vivre une chose semblable. La racine la plus profonde de la solitude, c'est d'être totalement isolé du Seigneur. Et savez-vous quand est-ce que cette solitude ce genre de solitude a commencé à débuter dans le jardin d'Éden dans la Genèse chapitre 3. Quand Adam et Ève eux-mêmes se sont coupés, sectionnés de l'amitié de Dieu, se sont rebellés contre Dieu, ont préféré la parole du diable à la parole de Dieu. Et quand vous préférez la parole de Satan à la parole du Seigneur, alors vous vous coupez de Dieu. Rébellion. Résultat, première fois où on l'on un verbe d'action, ils se cachèrent. Auparavant, ils ne se cachaient pas, jamais. Là, ils ont commencé à se cacher. Et chaque fois que vous vous cachez, il y a un problème. Pourquoi se cacher Pourquoi Où es-tu Adam Tu n'es pas au rendez-vous Tu n'es pas là Ils sont cachés. À partir de ce moment-là, quand ils ont obéi à la voix du diable, à ce moment-là, ils sont devenus des pécheurs. Le péché est entré dans le monde comme un serpent avec Adam et Ève. Évidemment, tous nous sommes nés dans le péché. La Bible dit, tous nous avons péché. Nous sommes des pécheurs par nature pécheresse. Mais non, pas seulement par nature. Nous sommes des pécheurs par choix personnel. Nous avons choisi de pécher. Le péché nous sépare de Dieu et il n'y a qu'un seul et unique moyen. Jésus-Christ, mort sur la croix pour nous ramener la présence. De Dieu et terminer avec l'absence de Dieu. Le péché nous sépare de Dieu et il n'y a que la croix qui peut nous réconcilier avec le ciel. Bouddha ne vous réconciliera jamais, ni Mohammed, ni Zoroaster, ni Vishna, ni Krishna. Jésus. Jésus. Il faut venir à la croix, il faut reconnaître que nous sommes des pécheurs et que nous sommes prêts à changer notre façon de vivre. On appelle cela la repentance. Et la plupart de vous, vous êtes passés par là. Merci Seigneur. Il faut venir à Jésus par la foi et dire, oui Seigneur Jésus, je te reçois, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Maître. Et Jésus n'est plus uniquement dans notre tête, mais il vient dans notre cœur. C'est en croyant du cœur qu'on parvient au salut. Tu dis que tu crois en Dieu, en Jésus, mais le diable aussi il croit en Jésus, il est perdu. Et beaucoup de gens sont comme le diable. C'est-à-dire qu'ils ne servent pas Dieu. Même s'ils croient en Dieu, ils ne le servent pas. S'en foutent, s'en moquent, ridiculisent. Et cette Bible, elle reste toujours sous la poussière. Parce qu'ils n'aiment pas. Ils ne soumettent pas parce que la plupart ne sont pas sauvés. Dans Jean chapitre 13, au dernier souper que Jésus a accompli sur la terre avant la, avant la croix du calvaire, les prophéties, beaucoup de prophéties sont accomplies en l'espace de quelques heures. Mais il y a une prophétie qui s'est réalisée sur la trahison de Judas Iscariote. La Bible dit que Judas sortit du lieu où étaient Jésus et les disciples durant le repas, et la Bible ajoute trois mots très importants il faisait nuit il faisait pourquoi le saint esprit a-t-il dit il faisait nuit parce qu'il y a une spiritualité dans ces trois mots il faisait nuit dans le cœur de judas et la nuit éternelle avait commencé en lui il allait dans quelques, dans quelques jours descendre au fond de l'enfer et être enchaîné éternellement par les ténèbres, par la nuit éternelle. En enfer, il n'y a aucune lumière pour l'éternité. Et les damnés sont, qui sont actuellement sur la terre sont mieux de regarder le soleil parce qu'ils ne verront plus jamais. Dans Jean chapitre 13, nous voyons que Judas avait trahi le Sauveur, donc il n'eut plus aucune amitié, aucune communion, association avec Jésus-Christ à partir de ce moment-là. Il faisait nuit, coupé, tranché, sectionné. Son péché, son péché d'avarice, Judas, pour 30 pièces d'argent. Et j'aimerais m'adresser à certaines personnes, autant sur l'écran qu'ici. Il y a peut-être une époque où dans votre vie vous aviez une communion avec le Seigneur. Il y a eu peut-être dans votre vie un moment où vous aviez, je euh, dirais, une marche avec lui. Vous alliez à l'église évangélique. Vous lisiez la Bible. Vous étiez fidèle au Seigneur par la façon avec laquelle vous viviez. Mais graduellement est arrivé un processus, vous avez changé. Vous avez changé. Et vous ne marchez plus maintenant aussi proche du Seigneur que vous le faisiez auparavant. Il y avait un temps où vous aviez la paix avec Dieu. Vous pouviez... Le regarder droit dans les yeux, regardez le ciel. Il y avait un temps où vous étiez en paix, mais vous êtes maintenant sorti de par vous-même, de par votre choix, de la présence du Seigneur. Et qu'est-ce que vous avez trouvé qu'il faisait nuit? Il n'y a rien autour. C'est le désert. C'est l'eau des beurs. Il n'y a de la lumière que dans la maison de Dieu sur la planète Terre. Il n'y a de la lumière que dans un chrétien qui marche en amitié avec son Seigneur. Il faisait nuit quand Judas est sorti. Jésus lui a dit, ce que tu as à faire, fais-le. Et il l'a appelé le fils de la perdition. Peut-être que la nuit de la solitude pour Dieu est tombée sur vous. Est-ce que l'on tombe sans se relever Pose la question, c'est Jérémie qui pose la question. Est-ce que l'on tombe Ça peut arriver, mais est-ce que l'on tombe sans se relever Quand j'étais jeune, adolescent, j'aimais beaucoup la bicyclette le vélo, et je faisais des courses. J'étais engagé dans un club de course, et je me rappelle un jour, dans la ville de Firmini, dans le département de la Loire, durant une course d'un dimanche, donc j'étais en train de mener la course. Et donc, euh, j'y allais hein, euh, de tout mon effort, tout mon cœur, tout ça. Et voilà que, parce qu'on c'était dans, dans la ville, il y avait des tournants, tout ça, et voilà que j'ai penché le bicycle pour aller euh, comme un peu plus vite, et choc Vous voyez <laughs> J'ai glissé, et je suis tombé Et je peux vous montrer encore aujourd'hui la cicatrice, elle est là, vous voyez Mais je me suis relevé Aussi rapidement, et au lieu d'arriver le premier, je suis arrivé le deuxième. Mais je me suis relevé je me suis relevé spirituellement parlant il est dit est-ce que l'on tombe sans se relever ou se détourne t on sans revenir ça veut dire que on peut tomber mais on va se relever on peut se détourner mais on va revenir le problème c'est ceux qui ne reviennent plus ceux qui tombent et ne se relèvent pas écrasés accusés par Satan Judas n'est jamais revenu Judas est en enfer alors je parle il crie pour l'éternité un lieu de pleurs de grincements de dents des flammes éternelles Jésus a dit là où le ver ne meurt pas Vous pouvez revenir. Je parle à quelqu'un maintenant qui, qui est dans cette situation comme Judas l'était. Mais vous n'êtes pas arrivé à ce stade, je dirais, de non-retour. Vous pouvez revenir encore maintenant. Vous êtes sorti, il est vrai, de la présence de Dieu. Et vous avez trouvé qu'il faisait nuit à l'extérieur. La nuit de la solitude. En enfer, ils sont tous seuls. Abandonné de Dieu et abandonné des uns et des autres, vous pouvez revenir. Écoutez-moi bien. Vous pouvez réparer les choses. Le Seigneur aujourd'hui à cet instant se tient debout devant toi, les bras ouverts. Reviens, je t'aime, je te pardonnerai, je te recevrai de nouveau. N'aie pas peur. Ma brebis blessée. Il n'y a aucune solitude aussi amère que la solitude de quelqu'un qui va à l'église, mais qui ne connaît pas Jésus-Christ de façon personnelle. Vous pouvez être assis pendant des années dans une église, entendre les cantiques, les chanter, vous pouvez même lire la Bible, tout ça, sans être sauvé. Sans être sauvé. Et vous le savez, parce que durant la semaine, vos fruits ne sont pas bons. La Bible dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Jean-Baptiste a dit, portez donc du fruit digne de la repentance. S'il y a une véritable repentance, les fruits vont suivre. Vous pouvez revenir. Quelqu'un qui va à l'Église et qui ne connaît pas Jésus de façon personnelle. Beaucoup de personnes sont comme cela aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle lorsque l'enlèvement va arriver, beaucoup vont rester dans les églises. Le péché nous rend seuls. Chaque fois, c'est vous qui allez porter le prix de votre péché. Le péché se présente d'une manière agréable. Douce, comme Satan l'a fait avec Adam et Ève. Non, vous ne mourrez pas. Dieu a dit que vous mourrez. Non, 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 non. Regarde le bel arbre. Il est beau, tout ça. Un petit moment de plaisir. Hein ah oui. Le péché. Le péché. Le péché nous rend seuls. Pourquoi beaucoup de nos adolescents aujourd'hui sont renfermés? Le péché, ton pas épanoui. La pornographie va te renfermer. Ça va te ratatiner. Ça va te réduire. Réduction. Le péché nous rend seuls parce que le péché nous sépare de Dieu. Nous sommes comme ça. On est fait comme ça. Dieu nous a fabriqués comme cela. Nous ne nous sommes pas fabriqués nous-mêmes. On a un Créateur. La Bible dit que les méchants sont comme la mer agitée par un jour de tempête. Les méchants sont comme cela. Les incrédules, les rebelles à Dieu, les moqueurs de Dieu sont comme une mer agitée qui ne peut pas se calmer et dont les eaux soulèvent la vase, la pourriture, le limon. Il n'y a pas de paix pour les méchants, pour les incrédules. Ça n'existe pas. Et même si de grandes foules entouraient le Seigneur Jésus, même lui, parfois, il était seul. Il était seul. Et même à la fin de sa vie, sur la croix du Calvaire, il était tout seul. Quelle solitude. Quelle solitude. Il est dit alors, tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Seuls. Les foules qui avaient crié en début de semaine, ⁇ Hosanna, Hosanna, il est le roi d'Israël, ainsi de suite. Maintenant, à la fin de la semaine, avant même que la fin de semaine commence, ont crié ⁇ Crucifie-le, crucifie-le ⁇ ne vous fiez jamais aux foules. Il était seul. Et à la fin, il a crié du haut de la croix, Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné Abandonné de ses disciples les plus proches Abandonné même du Père, tout seul. Nous ne vivrons jamais une telle solitude, nous les chrétiens. Jésus était accroché à la croix comme une bête, cloué à la croix au milieu de son sang, la personne la plus seule qui ait jamais vécu sur la planète. Pourquoi Parce qu'il portait mes péchés et les tiens. Et le péché amène la solitude. Il a été fait péché pour nous. Jésus cloué à la croix. Et Dieu, Dieu des cieux, le Père, ne pouvait pas voir le péché. Abakuk dit, Seigneur, tes yeux sont trop purs pour voir le mal, pour prendre plaisir au mal, pour regarder, apprécier le mal. Jamais. Et Jésus était devenu le mal, il était devenu le péché, il portait tous nos péchés, il était devenu une pourriture, la bulle va plus loin, il était devenu une malédiction. Il a été fait malédiction pour nous. Il nous aime autant que ça aussi loin que ça. Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus a expérimenté la solitude ultime, totale, complète, quand il est mort pour nous. Par sa mort, cependant, Jésus a réglé... À solutionner la cause première, la racine première de la solitude humaine, qui est la séparation d'avec Dieu. Et cela a été démontré physiquement par le voile de séparation dans le temple à Jérusalem, qui au même moment a été déchiré de haut en bas pour laisser maintenant libre cours à tous ceux qui voulaient venir vers Dieu le Père, d'y venir sans aucun obstacle. Accès libre. Plus de barrières, plus de voiles. Déchiré. Merci Seigneur. Et à partir de la croix, il t'atteint. Toi et moi. L'enfer. L'enfer, c'est le lieu de séparation totale d'avec Dieu et pour l'éternité. C'est un endroit solitaire, l'enfer. Ouais, je serai avec mes chums, je serai avec mes amis, là-bas, on va rire, tout ça. Puis, euh, euh, ouais, 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 quel mensonge. Un endroit solitaire. Beaucoup aujourd'hui rient de l'enfer. Oh ouais, j'ai pas peur d'aller en enfer. Hein, J'aurai du fun, ça sera très très bien. J'aurai du bon temps avec le diable, avec les démons, on va bien rire. Non, 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 non. La Bible, qui est la parole de Dieu, qui est la vérité, indique que l'enfer, c'est la séparation de tout ce que vous avez connu ici bas sur la terre. Vous serez seul si vous y allez. Et en plus, vous serez enchaîné éternellement par les ténèbres. Par les ténèbres, au mieux décrit. Des, des ténèbres aussi épaisses que celles qui sont tombées sur l'Égypte. Rappelez-vous, il est dit qu'en Égypte, pendant trois jours, les gens... Les des ténèbres étaient tellement épaisses qu'ils n'ont pas bougé de leur place. Pendant trois jours. Et là-bas, ça sera pour l'éternité. Enchaîné, nous dit la Bible, éternellement par les ténèbres. Au milieu des cris, des flammes. Je souffre cruellement de cette flamme. A bien des damnés de l'enfer. Seul. Enchaîné, grincement de dents. Le mauvais riche a eu un très bel enterrement sur la planète Terre. Mais dès qu'il est mort, il était en enfer et il souffrait. Lazare, lui, de son côté, c'est les chiens qui léchaient ses plaies, qui le consolaient. Et quand il est mort, la Bible ne dit pas qu'il a eu un enterrement. Même pas, peut-être fausse commune. Et les anges sont venus pour l'escorter et l'emmener directement dans la présence du Père céleste. Alléluia. C'est horrible, l'enfer. Horrible. Pourquoi Parce que c'est horrible se moquer de Dieu. De rire de Dieu le Fils qui a tout fait pour nous sauver. D'une certaine manière, Jésus disait, si tu veux aller en enfer, alors il va falloir que tu marches sur mon corps. Et tous ceux qui y vont marchent sur le corps de Jésus. L'écrasent, s'en moquent, le ridiculisent. Je crois qu'il y a un enfer où vont les gens qui rejettent Jésus. Jésus a dit qu'il y a deux chemins sur la terre, le chemin grand et large qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup de personnes, des foules entières sur ce chemin-là. Et étroit est le chemin qui mène à la vie éternelle au ciel. Et peu se trouvent sur ce chemin-là. C'est Jésus qui a dit ça. On s'en tient à ce qu'il a déclaré. Si vous tournez le dos à Dieu, vous allez finir là. En enfer. Et ce sera un endroit d'immense solitude. Vous ne serez pas là avec une grande foule de gens, vous serez seul. Pas besoin d'aller là et d'y passer une seule minute. Tout ce qu'on a besoin, c'est d'ouvrir notre cœur bien grand à Jésus, bien bien grand au Seigneur. Pourquoi Eh bien parce que toute votre vie est comptabilisée au ciel. L'ordinateur de Dieu fonctionne jour et nuit. Et il y aura la solitude de la mort et du jugement qui s'en vient. Car nous nous tiendrons tout seuls devant Dieu. Vous serez dépouillés totalement de tout ce que nous pensons très important ici-bas sur terre. Et nous devrons répondre pour la vie que nous avons vécue. Pour ce que nous avons fait du Seigneur Jésus, tout sera mis à nu, tout sera devant le public, et il n'y aura rien, absolument rien de secret. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul à Athènes disait, quand il prêchait l'évangile, Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance, mais il annonce maintenant à tous les hommes et en tout lieu qu'ils doivent se repentir parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde par l'homme qu'il a désigné et ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant d'entre les morts. Jean a dit dans l'Apocalypse, et je vis les morts. Tiens, et je vis les morts les grands de ce monde et les petits de ce monde qui étaient devant le trône. Ces gens-là se sentiront très seuls cette journée-là. Très, très seuls. Et je terminerai en vous disant que nous avons tous besoin de faire une décision solitaire pour Jésus-Christ. Ça ne sera pas ton épouse qui va la faire pour toi, ni ton mari pour toi, ni tes parents pour toi, ni tes grands-parents. Non. C'est toi. Seul. Vous ne pouvez pas dépendre de vos parents, de vos amis pour faire une décision radicale pour Jésus. Vous devez la faire vous-même. Jésus a dit, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Si vous voulez servir le monde, les dieux de ce monde, l'argent de ce monde, la sexualité de ce monde, la corruption de ce monde, sachez une chose, a dit Josué, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Un choix personnel. Si vous voulez essayer de combattre contre le péché sans être né de nouveau, c'est un combat dans des sables mouvants. Vous n'y arriverez jamais. Aucun remède au péché sauf Jésus-Christ. Un Éthiopien qui a la peau noire, peut-il changer de couleur sa peau Impossible. Un léopard, ses taches sur son, sur son pelage, peut-il les changer Impossible. Et aucun pêcheur ne peut de lui-même se changer. Malgré toutes les résolutions que vous avez prises le 1er janvier, ça ne sert à rien. C'est la croix. C'est le sang. Hallelujah. C'est le détergent puissant. Amen. Qui vous lave de tous vos péchés. Merci Seigneur. Par Jésus-Christ, on peut avoir une relation merveilleuse, la plus importante de votre vie. Hallelujah. Et votre vie sera restaurée. Si vous placez votre foi, votre confiance totale en Jésus, les choses qui sont brisées, cassées dans votre cœur, seront restaurées par Jésus. Il est venu pour guérir les cœurs brisés. Guérir les cœurs cassés. Il est venu pour ça. David a dit, le Seigneur est mon berger, il restaure mon âme. Jésus est mort sur la croix pour toi. Il est ressuscité des morts pour toi. Il attend que tu ailles à lui. Haria, il peut enlever totalement toute solitude de ta propre vie. Si quelqu'un vient à moi, je ne le mettrai jamais dehors. Baissons nos têtes et prions. Seigneur, nous sommes devant toi et nous te bénissons. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour le conseil que tu nous donnes Seigneur. Alléluia. Nous n'avons plus besoin d'être seuls maintenant et encore. Non! Nous voulons avoir, Seigneur, une expérience vitale, profonde avec toi, pour remplir les vides de notre vie. Alléluia. Toi seul, Seigneur, es capable de donner à notre vie un goût, de donner du sens, comme tu as changé l'eau en vin. Tu changes, Seigneur, notre vie insipide en une vie glorieuse, puissante, colorée, joyeuse. Merci, Seigneur. Alléluia. Jamais seul avec Jésus sur le chemin du salut. J'étais lassé des vanités et j'ai cherché la vérité et j'ai trouvé pour mon bonheur, par Dieu donné, le seul sauveur, jamais seul avec Jésus sur le chemin du salut. Dans sa main, il tient la mienne et je suis bien, jamais seul avec Jésus. Sa voix me redit, ne crains rien, je te soutiens. Levons-nous ensemble, frères et sœurs. Pour écouter plus de conférences de prédication et d'études bibliques qui ne sont pas disponibles sur YouTube, rendez-vous sur notre site rbmif.org et vous allez accéder à notre menu Messages, Vidéos, Prédications et vous aurez ainsi accès aux messages censurés. Que Dieu vous bénisse.